Bonjour tout le monde, je refais juste le début du vlog de mardi 20 puisqu'en fait je viens de le supprimer de la carte SD, ce qui est complètement ridicule quand je voulais filmer du coup le vlog, voilà. Donc la journée du mardi 20 était plutôt cool, je vous emmène avec moi à une petite soirée blogueur à la Fabrique Givray. Et dans mon calendrier de l'avant, j'avais une crème pour les mains, donc c'est la crème à l'amande, main à croquer, qui sent très très bon et que je connais déjà du coup, donc voilà pour ça. Donc c'était le début du vlogmas numéro 20. C'est vraiment ridicule, mais bon, c'est pas grave. Désolée d'avoir effacé le fichier. Voilà. Il y a le Père Noël. Voilà. Il y a toujours des enfants qui ont peur du Père Noël, c'est trop drôle. En même temps, il est un peu flippant des fois quand même. Hein. Alors, on est à la Fabrique Givray à la soirée Un Blog à Apéro. J'ai mon badge et mon truc de Noël du coup parce que c'était un peu le thème à avoir. Et Grégoire, son badge, c'est Monsieur Agathe. Parce qu'il est là en tant que cousin. Du coup, c'est Monsieur Agathe. Et son truc kitsch, c'est la barbe. Et là. Tada! Encore! Ah, c'est pas possible. Je vais vous donner le tour, on y est là. Donc voilà, petite soirée. Et après, ce soir, on va rentrer pour regarder les Deep Tunnels, c'est ça? La Agatha Christie. Voilà. On a reçu la truffe, vous allez avoir la chance d'en manger ce soir pour ceux qui le désirent, hein, mais de la truffe en classe, hein. Et c'est du fruit frais. Du coup, on va aller chercher notre menu. On a pris le menu complet avec Grégoire. Voilà. Alors du coup, on a une soupe de butternut avec de la glace à l'intérieur, donc qui a fondu du coup depuis. Et en cocktail, on a pris le basil berry, donc c'est vodka, il me semble, framboise et basilic, donc c'est vraiment super bon. Et à côté, on a un peu de charcuterie et tout à l'heure, on prendra notre bûche de Noël. C'est bon, Grégoire? C'est super bon le butternut. Butternut ou buttercup, je sais jamais comment ça s'appelle. C'est un sucré salé en tout cas. Ouais, et c'est vraiment super bon. Grégoire joue à Disney Magic Kingdoms. Okay. Je l'ai rendu accro. Voilà, Louis-Cas. Maintenant, elle est rechercher les blocs et chaînes de ses signatures. Alors, il est 23h. La fille qui a trop du mal à lire l'heure. Donc, il est 23h. On est rentré de la soirée il y a à peu près, je sais pas moi, une demi-heure. Et du coup, je vais terminer le vlog maintenant en fait parce que j'ai pas grand chose à dire de plus. Là, je vais me démaquiller. Je vais faire un petit masque hydratant, je pense, vite fait. Et je vais aller me coucher. Voilà, je vais essayer de me coucher tôt cette fois et vraiment réussir à me coucher à 23h30. Donc il me reste une demi-heure pour faire un masque et tout, ça devrait le faire je pense. Voilà pour ça. Grégoire a déjà ouvert son calendrier de l'avant, je crois. Ok. En fait comme il a tous les jours la même chose, il s'en souvient pas quoi s'il a ouvert. Je crois pas. Tu crois pas? Bah ouais, c'est dans 4 jours. Enfin, je dis toujours 4 jours, mais c'est parce que nous on le fête le 24 au soir avec ma famille, donc c'est pour ça. Et c'est un Père Noël. Voilà, effectivement, il n'y a aucune surprise comme à chaque fois. Si, ça commence un peu à être sans surprise pour moi aussi, parce que ça doit être ma 10e crème pour les mains depuis le début du mois. On a passé une super soirée avec tout le monde, là c'était vraiment chouette.
Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous conseille de me suivre. De toute façon, le lien est en barre d'infos. On a fait plusieurs Insta stories avec un peu tout le monde et c'était vraiment rigolo. J'ai adoré revoir Franck, Flora, Romain, Elodie, etc. Donc c'était vraiment... c'était cool. C'était une bonne soirée de Noël. J'ai acheté mon petit pull d'ailleurs. Alors, je vous ai montré en fait sur Instagram, mais en fait ce pull change. Genre là, il est comme ça. Et maintenant, il est blanc! Donc on passe de ho 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 à no no no. Donc c'est vraiment vraiment stylé comme pull, je trouve ça trop drôle. Je l'ai acheté à H&M ce midi parce qu'il me fallait un pull de Noël et que je tout de suite pensais à H&M, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, je le trouve vraiment cool, il y avait le même avec un t-shirt et un sapin qui faisait part de pizza en fait. Mais bon, je préférais celui-là et en fait après, il redevient rouge. Donc voilà, ça vous fait un peu deux pulls en un. Alors après, il y a des sequins qui rentrent pas forcément dans le rang. Mais voilà. Tadaaa ! Donc je suis trop contente de mon pull de Noël. J'ai acheté un deuxième pull aussi, genre avec des ouvertures sur les épaules et tout. Je le mettrai peut-être demain, tiens. Et j'ai acheté des collants noirs opaques parce que je pense que je vais mettre une robe. Enfin, pas une robe, une jupe pour Noël. En fait, je pense que je vais mettre ce pull, une jupe rouge et mes collants et mes cuissardes. Pour le jour de Noël, pour le 25. Je sais pas, ça pourrait être cool. Et vous entendez la musique de Disney Magic Kingdoms, puisque Grégoire est tellement accro à ce jeu. Eh ah là là. Donc je vais aller me démaquiller, faire mon masque, mettre en pyjama et aller me coucher. Voilà le programme de la suite. Donc je vais arrêter le vlog maintenant. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog, c'est-à-dire demain, pour le vlogmas numéro 21. À demain.